Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une paire de chaussons sous forme de ballerine. Une cheville assez longue. Et à la fin, on va juste l'orner avec un petit papillon. La forme éléante. Alors pour cela, donc je choisis un crochet en paire de ciseaux, de la laine blanche et un peu du rose. Alors pour commencer, donc j'ai pris des aiguilles numéro 3. Vous pouvez prendre des aiguilles numéro 3 et demi 4. Ça dépend de la grosseur que vous voulez donner à votre chausson. Alors pour commencer, j'ai monté 32 mailles et j'ai fait une barre de point de mousse. Comme toujours pour chaque chausson, ça dépend. Alors on fait une maille, on fait un jeté, on fait 13 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et 13. D'accord, je fais un jeté, je prends 4 mailles, 1 2 3 4, je fais un jeté, je prends le premier 13 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et 13. J'ai fait un jeté et je termine par une maille par l'envers. La troisième rangée, je tricote toutes les mailles à l'envers, mais en piquant, je viens piquer derrière comme ceci. Et je tricote la maille. Comme ça, je n'aurai pas des trous. Je vais pas avoir des petits trous au-dessus. Voilà pourquoi je pique. Alors, on va suivre la même base, donc des augmentations. Au début, j'avais 4 mailles. Donc, les 4 mailles du central plus les 2 jetés, ça va me donner 6 mailles. Je vais faire la même chose, je pique derrière, comme ceci. Et je termine ma rangée comme ceci. Et la dernière, le jeté. Alors, on va faire pour aller un peu plus vite. Donc, ce que je vais faire, la deuxième rangée, 2 mailles. Donc, la première maille et le jeté, ça nous fait 2 mailles. Je fais un jeté, je prends mes 13 mailles. Donc, 12 et 13. Je mets 13 mailles. Je fais un jeté. Au début, j'avais 4 mailles. Plus les 2 jetés, ça va me donner 6 mailles. Et on va faire des augmentations de la sorte. Si ici, 2 mailles plus de 1 jeté, ça va me donner 3. À la rangée prochaine, donc je vais faire 3 mailles, 1 jeté, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'on aura ici, à chaque début, 5 mailles, 12 mailles centrales, 13 mailles de chaque côté, et pour un total donc de 48 mailles. Alors là, j'ai terminé mes augmentations, donc j'ai au total 48 mailles. Et puis, 48 mailles, je vais monter là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence la première. On va monter au total 8 rangées au point de mousse. Donc, on va travailler toutes les rangées à l'endroit pour avoir des barres de point de mousse. Et à la 9e barre, toutes les rangées, on va les travailler à l'endroit. Alors, donc j'ai monté
Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, on va pouvoir donc former le dessus de notre chausson. Pour cela, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, 11, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je prends donc mon crochet. Avec mon crochet, donc, je vais rabattre 24 mailles. D'accord? Je fais d'abord une que je tricote. Une. Pour les 24 mailles, on va laisser donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc je dois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 mailles. Donc, il me reste au total. Je récupère donc les 3 mailles. 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et... D'accord? Donc au total j'ai rabattu 1, 2, 26 mailles. Bon, le reste, je vais vous expliquer ça après pourquoi j'ai au lieu de 24, j'ai rabattu 26. Et sur les 11 mailles, je vais monter 3 rangées au point de mousse. 1, 2, sur chaque côté, ce côté-ci, je monte 3 rangées au point de mousse. Oh. Je suis allée un peu trop vite. Voyez, on va monter 3 barres au point de mousse. Donc ici j'ai une rangée, deux rangées, trois rangées au point de mousse. J'arrête avec le fil, d'accord. Et je vais lisser donc les 11 mailles en attente. Parce que on va les récupérer après. Et on refait donc 3 rangées, 3 barres de points de mousse. Et ce côté-ci aussi. On vient tourner le travail. Et on fait 3 rangées points de mousse. Quand on va finir les 3 rangées, on va laisser aussi les mailles en attente comme on a fait de ce côté-ci. D'accord? Alors j'ai terminé donc de monter 3 barres de points de mousse. Je les mets en attente donc. Les mailles sont un petit bout de fil. Ouh, il fait froid.
pis comme ça, ça va pas trop nous gêner. Ouh, il fait froid, il fait froid. Alors, quand on a fini, on va arranger ça à la fin. On a cette petite forme et on va pouvoir former donc le dessus avec le blanc. Pour cela, je prends, vous allez voir, alors j'ai 26 mailles au milieu. Ce que je vais faire, je vais compter, donc je vais laisser une première maille, donc une, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e, c'est ici. Donc, on va laisser 11 mailles de chaque côté et on va prendre 4 mailles centrales au milieu. D'accord? Donc, 11 mailles chaque côté. J'ai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais prendre donc une, je vais prendre 4 mailles. 11, je vais prendre 4 mailles centrales. Je laisse la 11e. Je viens piquer dans 12e maille. Je prends ma laine blanche. Je relève une. D'accord? Une deuxième, troisième et quatrième. Donc j'ai 11 mailles de chaque côté. Je tourne mon travail. Comme c'est pour une petite fille, je préférais faire le tout en jersey. Donc une, deux, 4 plutôt, d'accord, je fais une, donc je récupère une maille, ça me fait 5, je tourne le travail, je repars, 2, 3, 4, et 5. Ici aussi, je vais récupérer une maille. Ça va me faire 6. Je repars. Je viens, je refais la même chose. Je récupère. Je tourne. Je viens, je récupère une maille. Donc, je vais récupérer jusqu'à avoir un total de 12 mailles centrales. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10 et 11. Donc, je vais prendre la 12e maille. D'accord? Alors, j'ai pris la 12e. Je relève à la fois une. Et je remets ensemble. Et je vais les tricoter cette fois-ci ensemble à l'endroit. Donc, la 12e maille tricotée ensemble avec une. Je tourne en travail. Je repars. 2, 3,
4. Donc, on garde 12 mailles centrales jusqu'à la fin des autres diminutions, je crois. 6. Je tricote pas la dernière. Je prends ceci. Et je les tricote ensemble. Après avoir relevé 12 mailles, on procède aux diminutions, comme je fais ici. Je tricote pas, je viens relever cette. Je la remets sur l'aiguille. Et je les tricote ensemble. On va voir ce que ça va nous donner à la fin. Alors, on va diminuer. De cette manière. Donc, jusqu'à la fin des mailles. On tricote pas la dernière, on relève la maille. Remet et on tricote ensemble. Et on continue. Alors lorsqu'on a fini de diminuer, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, on va reprendre, on va récupérer donc les 3 mailles de. Donc comme j'avais fait 3 rangées au point de mousse, je vais récupérer ces 3 mailles avec tout simplement comme j'ai fait pour les diminutions. Comme vous pouvez voir au milieu, on a toujours 12 mailles, ça n'a pas augmenté. J'ai commencé par 4 mailles et j'ai récupéré. Donc ici, je récupère la première maille de 3 rangées. Je tricote ensemble et ça aussi, je vais faire la même chose. Je vais prendre là et je vais tricoter ensemble et je vais refaire sur les deux mailles qui restent de chaque côté. Alors arrivé à la dernière, donc des trois mailles de 3 rangées point de mousse, je récupère la troisième et la dernière maille. D'accord. Et je tourne mon travail. Je remets. D'accord. Je vais remettre mes mailles sur mon aiguille. Et je vais continuer. L'endroit
Alors, arrivé ici, donc je commence la première, je vais faire une côte de 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Ici aussi, je vais récupérer mes mailles. Ici aussi, je vais faire la même chose, une maille à l'envers. Je tourne simplement et je remets les mailles sur l'aiguille. Et là, waouh, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et je continue avec mon point de côte de 1-1 jusqu'à la fin. Donc au total, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rangées de côte de 1-1. Après, on va faire la couture. Et puis, ça serait fini avec notre chausson. Alors, j'ai terminé. Donc, 20 rangées en blanc et 4 rangées en rose. Après, comme nous sommes comme ceci, on arrête toutes les mailles. Après, on va faire la couture. On va coudre ces 4 rangées en rose et le reste. Après, vous allez faire le petit papillon. J'ai juste fait un pied, donc avec l'ornement. Et après la couture, nous avons ceci. Le petit bout de fil, on va juste le cacher avec un crochet et on va faire petit papillon. Cacher tout ça. Et voilà donc terminé, petit chausson. Alors, j'espère que le petit tutoriel va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto, une autre vidéo. Surtout, n'hésitez pas de partager. Et bien, je vous dis à plus. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à toutes.